Salut les amis, c'est Bahamo, comment allez-vous? Moi ça va super bien, donc comme vous voyez, on se retrouve pour Assassin's Creed 3. Donc Assassin's Creed 3, le jeu qui sort demain, le 31 octobre, donc là au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 30 octobre, donc normalement vous l'aurez dès demain matin. Donc le 31 octobre au matin, donc un petit plus pour, voilà, pour mes abonnés. Enfin, il y a pas mal de youtubeurs qui ont commencé leur let's play, mais moi malheureusement je n'ai vu, j'étais, hein, j'ai déjà fait une vidéo annonce. Ils m'ont prévenu, j'ai pas le droit de faire des vidéos dessus. Ben, je vous propose qu'on commence le solo. Mais d'abord, j'aimerais qu'on commente un peu le menu principal. Il est très sobre et j'aime bien ça. J'aime bien justement qu'il soit sobre comme ça. En plus, c'est fluide, j'aime bien. Bah tiens, entrée, nous, Banano 45. Il doit y avoir une cinématique, on se retrouve après. Parle de fin du monde, on les enferme. Ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries. Mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant, une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené, et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié, armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden, et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. On se retrouve après la cinématique. Et ce qui me choque et ce qui m'énerve là, ils ont encore parlé du 21 décembre 2012. C'est totalement une connerie inventée. Et ça j'en suis sûr. Enfin après moi j'y crois pas, mais qui mettent en place le 21 décembre 2012 dans Assassin's Creed, c'est complètement débile. Enfin, après ça, la cinématique est vraiment pas mal, elle était très bien faite. Donc, bon, je connais un peu, je sais qu'on va intégrer, on va pouvoir contrôler Connor, un grand personnage connu. Les personnages là sont bien faits, je les trouve. Donc, là, je me souviens de Revelation, ça c'est le père de Desmond. Ah ouais, et là je suis tout à fait d'accord avec, avec Exvescar, un youtubeur qui a commencé son let's play dessus aussi.
enfin son Warcraft, son Wall, oh j'arrive même pas à le dire, Warcraft, voilà. Et c'est vrai que Desmond change de tête à chaque fois. Je sais pas si je pourrais vous mettre une. Allons-y. Peut-être que je mettrais une photo ou un truc comme ça. Non, je vais pas le faire. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment là. C'est vrai quoi, c'est. Il change tout le temps de tête chaque année. Je sais pas. Alors, donc. À ce que j'ai compris, il doit aller à une porte ou un truc comme ça. Ouais, bof. Un instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Allez, cinématique bien faite. Est-ce que je peux courir? Non, je sais pas, je peux pas. Je crois que c'est R1 pour courir sur PS3. Hein. Ah ok, je peux courir. Hop, ça en passe. On va pas rester. Ah. Je crois que cette fois on y est. J'ai pas suivi les Assassin's Creed, mais tiens, pourquoi c'est tombé? Je peux pas le ramasser, non? Ok. Là, Desmond, il a la pomme d'Éden, mais quand est-ce qu'il l'a eu? Ça, je me souviens plus, en tout cas, j'ai fait le 1, j'ai fait le Broseau Rouge, je me souviens qu'à la fin, il tue la fille, je sais même plus comment elle s'appelle. J'ai fait le Revelation, je sais qu'il se réveille avec son père qui l'attend. Et le 2, je me souviens plus. Le 2, je me souviens plus. Je vais me refaire le 2. Alors, je suis bouche bée, je comprends rien en fait. J'espère vite qu'on va pouvoir vite incarner Connor, parce que j'ai hâte. Parce que là, franchement, c'est. Le début, ils sont vraiment très chiants. J'ai hâte d'aller dans l'animus avec Connor. Ah. Un long des épisodes assez longs que je vais essayer de vous proposer. Peut-être que le premier fera peut-être environ entre 30 et 40 minutes. Enfin, voilà. Le tout premier. Mais après, je vous promets des épisodes d'une heure. Tout simplement, j'ai pas envie de rester trop longtemps sur ce jeu. Enfin, même s'il va me plaire. Ou alors, je vais dire le suspense. Ou non, je sais pas. On va continuer. On va bien continuer. Je sais pas ce que. Dites-moi dans les commentaires la durée des épisodes que vous souhaitez. Si vous voulez des épisodes d'environ 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez la durée. Et j'essaierai de faire ça pour le deuxième. Non, le troisième épisode parce que j'ai enchaîné la suite. C'est tout, voilà. Sœur? Oula. What the fuck, il se passe quoi là? Et c'est reparti. Ah, ok, il est tombé dans les pommes. Desmond. Ah, c'est vraiment plus fluide. Hein. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état. Ah ouais, les tests, c'est tellement plus fluide les déplacements. Alors, bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de. Je sais pas moi, vous assurer que j'allais bien? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais. On dirait que là il y a un effet de trace de pas dans l'animus. Non, non, c'est bon. On dirait qu'on sait de la neige. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Ok. Je sais pas où elle est. Tu. Attends. Ça doit être pour ça qu'elle a. Ah si, il ouvre la bouche. Elle. C'est Junon.
Junon. C'est elle qui me parle. Ok. D'accord, Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. J'imagine que c'est un tutoriel. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Ah ouais, mais là, franchement, ça va vraiment me faire chier, ça. Les tutoriels à 2 balles. Hein. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Non, mais mais elle est complètement conne. On a fait Assassin's Creed 2 avec elle, le Brotherhood avec elle, le Revelation avec elle. Et non, mais sérieusement, mais elle est teubée ou quoi? Oh là là. C'est très bien qu'on sait escalader de tout ça, on l'a fait pendant 3 épisodes avec elle. Parce que je rappelle que dans le 1, elle n'était pas là, la fille qui s'occupe de l'Animus. Hop. Ouais, donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, il est quelle heure? Il est 16h30, donc Stefano va bientôt sortir son nouvel let's play, c'est-à-dire de bientôt, mais je ne sais pas si ça va être Assassin's Creed 3. J'espère pas, parce que moi je compte le faire et j'aime bien regarder les vidéos de Stefano, donc je vais avoir un sentiment en fait de déjà vu, donc je pense que je vais pas aimer. Mais ouais. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux Templiers. Bah, il a pas de malame. Ok. Et si c'est juste de sauter de l'autre côté. Oula, j'ai failli glisser. L'Animus, c'est plutôt bien fait, je trouve. Enfin, après, c'est... Oh, tombé. Je suis la seule personne qui arrive à tomber dans le tutor... Dans le... Mais t'es complètement con, Desmond. Attends. Ne maintenez que R1. Ok. En fait, c'est moi qui étais complètement con, mais bon, après. Ça. Des fenêtres. Oh, j'espère vite pouvoir être avec Connor dans la neige, dans la nature, ça, là. Le style indien, j'aimais bien. Hop. Séquence 1, séance de révision. Alors, qu'est-ce que je suis là? Rue de réveil. Oh, ok, cool. J'ai un trophée. Alors, je ne sais pas si le moteur graphique a été amélioré, mais en tout cas, il est très très beau. Il n'y a rien à dire. Oui, tout va bien. Laisse-moi. Tout va bien. Je réfléchissais, rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Birch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vos heures sont terminées? Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas. Ok, donc on va dans un opéra. Sir, je dirais que c'est Londres. Parce que ils disent tout le temps Sir, truc, Sir. Donc je pense que c'est ça après. Ah, une mission déjà? Bah. Attendez, je rêve, on est même pas avec Connor. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur? Attendez, en fait là on est avec qui? Je sais pas qui c'est. Bon, ok. Mesdames et messieurs, j'ai un email. Mais vous rigolez, il a pas un iPhone pour regarder ses emails, j'espère. Oh non non, putain, l'opéra, je déteste ça. Tiens, si je peux, est-ce que je peux regarder dans la... Alors là c'est quoi? Recharger le checkpoint, recommencer souvenir, quitter souvenir. On peut quitter, reprendre, centre de notification, base de données Lumus, suivi d'ADN, attends, c'était quoi, suivi d'ADN, centre d'entraînement, option. Moi, j'aimerais bien voir la centre de notification. Là, c'est quoi, il a un mail? Et oh là, et oh. Ok, je comprends pas, il a eu un mail. Bonsoir, monsieur. Par ici, je vous prie.
Bien sûr. Bonsoir, Etam. Reginald. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue ? Une fois. Mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurai pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu ? Donc là, on doit activer la vision d'aigle. Ah, localiser la cible, bah, c'est elle. En or. Voilà. Oh. Bien. Donc. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Ok, donc il a trouvé. Par contre, juste après, je mettrai aussi donc trouver un endroit isolé pour grimper. Ok, donc je me lève. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Je suis confus. Ok. Par contre, je vais juste m'excuser parce que j'ai un ami qui est malheureusement qui suit mes let's play mais qui est. Alors attends, c'est quoi ça? Ok, c'est bien. Moi j'aimerais bien juste. Oh, Ezio! Oh, je lui verrai ça plus tard. Mais. Non, je veux juste faire start les options menu, ça. Voilà. J'ai. Donc, dans les options, je sais même pas où c'est. On peut pas activer les. Ah, si. Juste. En général. Volume, effet, ça on s'en fout, musique, luminosité, on va mettre à sus, ouais, là, ça c'est bien, et sous-titres, oui. Simplement, j'ai un ami qui est malheureusement, enfin, pour lui, qui est sourd, donc il regarde mes let's play, voilà, donc comme ça, il peut, bah, il m'entend pas, il a pas la voix, mais je discute souvent avec lui sur Skype, donc voilà, je mettrai une petite annotation, voilà, j'ai fait ça pour toi, Roger. Roger, bonjour à toi. Enfin, discuter, enfin, je chatte, voilà. Vous comprenez. Alors, ce qui me choque, c'est que là, tout le monde me voit, mais personne ne dit rien. Ouh, bonjour. Il lui a fait un blou-blou. Blou-blou, pour ceux qui ne savent pas, vous regardez Koé fait blou-blou, et là, vous comprendrez ce que c'est. Hop, ok, il était pas dans celle d'en face. Ah, elle a dû changer, je sais pas. Là, je m'imagine que je peux pas rentrer, sinon je suis cramé direct. Ok. Hop. Crocheter, ok. Donc il faut crocheter maintenant les serins. Donc ouais, j'ai pris l'édition, pas Freedom, mais l'édition Join or Die. Si là je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Attends. Orienter R. Ok, en marteau R1. Ok. C'est bon, j'ai compris. Hop, c'était un peu plus compliqué. Donc oui, je tenais à vous dire aussi, j'ai pris l'édition Join or Die. Et j'ai pas mal de DLC. Donc déjà, pour le contenu PS3, on a une heure en plus de jeu. Par rapport à Xbox, au moins, c'est ça de gagner. Parce qu'à chaque fois, c'est Xbox qui en compte tout. De toute façon, à chaque fois, les contenus additionnels, Call of, c'est Black Ops, c'est l'Xbox qui a tous les contenus un mois en avance. Enfin, il y a plein de trucs. Resident Evil 6,
Ils le mettent dans la pub, là, les contenus en premier pour Xbox. Bon, bah. J'aime pas trop, moi, ce principe. Il devrait faire un peu pareil pour tout le monde. Donc là, on a une heure en plus, une heure en plus de jeu en DLC, bah, pour les joueurs PS3. Et j'ai encore pas mal de missions avec l'édition de John Ordaï. Donc je vous les ferai pour dans je les ferai pour vous, tout simplement. Hop. Là, vous faire quoi? Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que j'en suis navré. Moi aussi. Ah ok, un assassin. Oh non, oh non, non, non. Oh non, non, s'il vous plaît, non. Oh non. Ah, il est sympa, ça va. En plus, je n'en regarde pas le. Je n'ai pas regardé les épisodes de mes collègues youtubeurs, XVSK, pas mal d'autres youtubeurs, simplement parce que. Je voulais pas me spoiler hein, après. Hop. Oh mon dieu, ils ont trouvé le corps. Je plains le gosse, hein, qui a dû perdre son. Je sais pas, son père. Ok, c'est pas moi, mais. J'ai eu peur. Donc en gros, c'est un assassin, lui. Je sais pas si. En fait, juste une question aussi. À part les DLC en plus de PS3, de Xbox 360, y a pas. Je pense pas qu'il y ait une différence entre les deux jeux. Hein. Enfin. Non. Je trouve que sur la version PS3 est plus fluide que Xbox. Enfin après c'est en temps vidéo que je voyais donc. C'est par là. Quand je voyais que des youtubeurs jouaient sur Xbox, et ben j'ai trouvé le jeu plus. Je trouve le jeu plus fluide après. C'est peut-être la différence vidéo et in-game. Je trouve que c'est plus fluide sur PS3 et que sur Xbox. Après c'est un avis personnel. Oh! Je te rappelle que j'ai un assassin, je peux te. Ouais, non, rien. Ouh! Le style, là, le décor qui se met là, pas mal. Hop. Et voilà, on se sort en tuant le monsieur. Et comment était l'opéra? Il était plutôt ennuyeux à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera? Peut-être un savoir, peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme, mais une chose est certaine, ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ouh. Pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle. Ah, monsieur Harrison. Messieurs, qu'ont donc révélé vos calculs? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien, cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu
Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Petit truc là qui me dérange un peu. C'est moi ou... Là, ils ont ce... Comment... Ok, c'est bon. Si vous voulez. Moi, je vais retourner au jeu. Là, ce personnage, je pense qu'on va l'avoir plusieurs heures et ça m'énerve. C'est... Enfin, on nous dit, on n'arrête pas de nous dire que le personnage, c'est Connor. Et en fait, là, ça fait peut-être... allez, une demi-heure de jeu, je n'ai même pas encore Connor, quoi. Pff, vivement qu'on ait Connor avec nous. J'attendais tellement, là... Mais je crois que c'est le père de Connor, parce que c'est un Américain qui part... enfin, je ne dis rien. Je le pense, après. Allez, les pirates. Les décors sont juste magnifiques. Regardez l'eau, comme elle est belle. Oh, magnifique, magnifique. Oh, la musique est excellente là. J'adore. Alors, à mon avis, il faut que je monte un peu. Ah, ok, je peux monter. Ok, c'est comme ça. Ok, si vous voulez. Donc, on est dans un bateau, à mon avis, de. Je sais pas si on peut dire pirate, hein, mais. Enfin, je pense pas. Enfin, à prime abord, à première vue, c'est un bateau de pirate. On connaît en océan Atlantique, ok. Et on part pour Boston. Et ensuite, tout se passera bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non, mais ça fait pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les mauviettes n'ont pas leur place sur le pont. C'est ce qu'on va voir quand je te couche de la gorge. Et pourtant, vous êtes là. Ouh. Ah, un peu de combat, j'aime bien. Alors, attendez. Et bouffe ma droite, toi. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ouais. Ça suffit. C'est le capitaine, vous croyez? Il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour tout ça? Allez. Ouh, pas mal. Je préférais le principe d'avant des Assassin's Creed, on appuie sur R1 et on appuie... Ah ouais, peut-être que ça sera plus tard, ça. On appuie sur R1, on fait carré pour une riposte mortelle. Ouh. Ouh, j'aurais pas aimé, toi. Viens là, je suis prêt à remettre ça. Fort peu judicieux. Pourquoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. Oh, j'adore comment il sort des phrases comme ça. Il a pris cher. Vous abandonnez? Jamais. Ouh. Je suis sûr de toi. Ouh, voilà. Je m'ai mis deux coups de couteau, mais je tiens à prendre son couteau. Capitaine, j'attends vos explications, monsieur Kenway.
c'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Tu mettrais un coup de couteau dans l'œil, toi. Non, pas lui, mais lui. Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant ? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, j'allais oublier. Ouh ! Toi, tu as de la chance, hein. Oh, je... Moi, ça aurait été moi, je me suis pris un couteau dans le pied, mais bon. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Ok, donc il dit que c'est ma faute. Peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah ! Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu. Non. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seul pouvez m'aider. Oh ! Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Oula ! Je vais comprendre. Oh, il est stressé, le mec. Ah, une petite gorgée de vin, bien sympa. Bonne journée. Retournez à votre cabine pour terminer la journée. Hop, tiens, est-ce qu'on peut descendre par là ? Je pense que oui. Ma cabine, elle est là-haut. Hop, on va faire une la journée. Je crois que c'est ce qu'il a, c'est la clé que Desmond recherche. Enfin, après, c'est un avis. Encore une fois, les décors sont magnifiques. Assassin's Creed Revelation m'avait un peu fâché, parce que les décors bof, quoi. Ah, Océan Atlantique, jour 28. Ok. Bientôt à moi qu'il est parti, en fait, c'est ça. Monsieur Kenway. Capitaine. Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Prends ta lame et on va leur couper la gorge. Alors, limiter la perte, enquêter sur l'équipage. Oh, ok. Il a encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivre. Hop, toi, qu'est-ce que tu veux ? J'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Ok, donc je vais aller voir monsieur le docteur ou le cuistot. Bon, elle est là. Je sais pas qui c'est, mais... Je dirais que c'est le cuistot ici. Oui, c'est le cuistot. Pas de service avant 2 heures. Quelques biscuits sous la main si vous mourrez de faim. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre ? Certains hommes ont-ils un comportement étrange ? Ont-ils tenu des propos plus... Enquêteur, assassin, pas mal comme métier. Comme si j'y trouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de tout. Allez, en fait, on va faire tout l'équipage comme ça. Et où puis-je le trouver ? Il est juste derrière vous, le gars assis sur le tonneau. Continue ta bouffe, hein. Hey James, le bourré. Êtes-vous James ? Ouais. Et Tam Kenway, ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes.
J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais. Mais pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je ne sais pas. Nous avons entendu des choses inhabituelles depuis notre départ. Y a-t-il une raison de s'inquiéter ? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. Je n'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent. Et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ouh. J'ai l'intention de se mutiner. Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Niels a tenté de les calmer, mais c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Au moins, il est coopératif. Il nous aide. Ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Oh, j'espère qu'il va y arriver. Il a l'air gentil. Il a l'air gentil, lui. J'aimerais bien qu'il y arrive. On court bien, je trouve. Bonsoir, monsieur. Tout va bien ? La nuit est calme, comme je les aime. Ah, bien. Que faites-vous sur le pont ? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi ? Ouais, attendez, what the fuck, là. Ouais, bof, on s'en fout. Ah, y'a quoi, là ? Donc, on a trouvé un tonneau, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, attendez, c'est quoi ? De la poudre blanche, ça peut être deux choix, du sucre ou mieux autre chose. Étrange. Mais bon, je ne dirais pas ce que quel est mon deuxième choix. Retournez à votre cabine pour terminer la journée. Eh mais il fait combien de journées là-dedans là ? Et oh, nous on veut assassiner du genre. Le jeu s'appelle Assassin's Creed, pas enquêteur, je sais plus quoi là. Oh. Mais bon. C'est vrai qu'on n'a pas. On a assassiné deux personnes avec Desmond, c'est tout. Bon, allez, jour 33, qu'est-ce qu'ils nous veulent encore ? Si seulement sur le bâton, vous pouvez faire des acrobaties, par exemple, monter tout en haut du bateau, assassiner, enfin, faire des sauts de ça. Ce serait trop bien. Mais bon. Allez. Du nouveau. Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Et pourquoi font-ils ça ? Je sais pas. À mon avis, ces barils servent de repère. Et ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue ! Ah oui, il avait raison. Touchez-vous. Oula, attendez, what the fuck là. En gros, ils jetaient des tonneaux. Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder. Tous aux pièces, au poste de combat. J'arrive, vous touche pas. Au pont inférieur. Pourquoi ? Il ouvre même pas la bouche, le gars. Le navire. Vous savez créer une voile, charger un canon, vous battre en mer. Il parle pas. C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Ouais, bof. Ok, monsieur qui me parle pas en ouvrant la bouche. Fermez les coutils. Éteins. Êtes-vous monté sur le pont ? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire ? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra ? Qu'on ne le remarquerait pas, qu'on ne te ferait pas suivre. Oh, ok. Ils m'ont chopé. C'est donc de cela qu'il s'agit. Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur,
Donne-moi une lame. Ah, voilà, ça, c'est ça que j'aime bien. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi? Ah, il me donne un sabre. Voilà ce que j'aime. Voilà, voilà. Ça, c'est cool. Ah ok, c'est un petit tutoriel au combat à l'épée avec lui, ok, j'aime bien. Voilà ce que j'aime. Hop, riposte. Oh, il est en sang, c'est glauque. Hop. Oh, allez, la moitié de la vie, toi. Ouh. Allez, relève-toi, j'ai envie de me battre avec quelqu'un avec de l'honneur. Ah. Oh là là, attendez. Ah, ok, il est mort. Il est KO. Je sais pas s'il est mort, mais en tout cas, il est à terre. Pas de mutinerie, il a agi seul. Que veulent-ils? Ouh là là. Moi. Alors qu'ils vous prennent? Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. J'aime bien les idées assassins. Nous pourrions faire la tempête? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. Oh, t'as pas de choix. Ah là là. Océan Atlantique dans la journée. Ah, moi j'aurais cru qu'il faisait nuit là. Mais bon, après c'est. Ouais, bof, il pleut, il y a de l'orage. Hein. Ça peut être dans la journée aussi. Il faut s'occuper de ces grises. Je vous avais dit que c'était de la folie. Je vais me charger de votre voile. Eh ben, excusez-moi, mais moi je propose qu'on s'arrête là. Je vais mettre sur pause. Parce que malheureusement pour moi, je dois y aller. Mais donc on a la séquence 1. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde.